Espero que sigan teniendo un buen día después de lo que vivimos. ¿Qué me faltaría? Personalmente, me daría rabia saber lo que pasa en el mundo. Y sentir que no puedo hacer nada. Saber que mis acciones no suficen. Avoir conscience de l'injustice quotidienne est déjà en soi difficile. Vous pouvez imaginer que passer à l'action est encore plus car cela implique un compromis que peu de personnes sont prêtes à accepter. Todos falamos da poluição da água. Sentimos, vemos, cheiramos, mas continuamos a comprar roupas que não são necessárias, a usar sacos de plástico, a tomar doces demorados ou a comer carne todos os dias. Quantas faltas toneladas de plástico? No oceano ficamos incrédulos, revoltados e mesmo desesperados. Le constat doit pourtant être fait. Nous nous comportons mal. Les entreprises qui contaminent le plus sont justement celles qui ont un pouvoir économique plus fort. Les pays les plus riches sont ceux qui se permettent de contourner les lois en réglant simplement pour le prix de leurs abus. De même, les citoyens s'inquiètent du réchauffement climatique et continuent d'acheter des produits suremballés. Por ejemplo, se calcula que el 60% de los ríos de Europa está en mal estado de conservación. Esto afecta muy negativamente tanto al ecosistema como a las personas. Estos ríos se acaban en su mayoría en embalses destinados a consumo humano. Ahora sí es preocupante beber del grifo, ¿verdad? L'agriculture est essentielle en Europe. Elle a besoin, à l'évidence, d'une grande quantité d'eau. Mais elle participe aussi à la pollution. C'est d'être respectueuse de l'environnement. Si vous voulez que cela change, alors il faut agir. Sans que nous ayons forcément conscience, l'eau est présente dans chaque acte de consommation. Dans ce que nous mangeons, ce que nous portons, dans tous nos gestes du quotidien. Alors pensez-y, chaque jour, à chaque instant, car ce problème ne va pas se résoudre en un jour. Nos comportements ont toujours besoin de temps pour changer. Demore o seu tempo para alterar comportamentos.
pour demain. Dans la partie nord-ouest de la France, le ciel sera couvert. Il y aura des alternances de soleil et d'averses. Le vent soufflera sur les côtes bretonnes et normandes. Dans les autres régions du nord de la France, le ciel restera nuageux, mais il y aura parfois quelques éclaircies. J'aime beaucoup la longue écharpe. Elle porte aussi des chaussures.